Salut à tous, c'est Nguyen et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo les gars, magnifique, je peux le dire quand même. Aujourd'hui donc on va distribuer les 250 euros. Avance plus, de les 250 euros, donc de nourriture que la salle a donné. Donc j'ai fait appel à une association de Nancy qui s'appelle 1001 Home. Donc pour tous les petits les 2-3 petits haters qui disaient oui c'est du fake pour les vidéos Fortnite. Voilà, vous avez la preuve ici. Donc on va distribuer 250 euros et on va donner donc les sous au SUF Fortnite qu'on devait. Donc il y avait 160 euros en tout, plus 250 euros de nourriture. Donc ce qui nous fait 410 euros pour l'association. C'est pas mal, hein. Je pense que ça va faire plaisir. Donc j'ai demandé à une membre de l'association donc, qui a été voir les SDF un jour avant, histoire qu'on sache ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui donc on est dans un centre commercial. Voilà. Et on va faire... Déjà. Ouais. L'association, faut la présenter. Donc déjà, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur l'association. Voilà. C'est pour ça que... Donc vous retrouvez le lien monsieur de l'association. Donc il est là, monsieur bénévole. Donc l'association, c'est 1001 Home. Là, je suis Nancy chaque semaine. On distribue des paniers repas et des vêtements. Et on agit accessoirement sur, avec les réfugiés de Metz. Voilà. Brièvement. Ça, c'est bien. Donc voilà, en gros, ils aident les SDF dans la rue, donc de Nancy. Aussi ceux de Metz apparemment, donc je savais pas, mais bon, voilà, comme ça vous savez. Donc si vous voulez les aider, c'est dans la description. Donc nous on a déjà offert 410 euros, ce qui est déjà pas mal. Donc là on se retrouve dans le magasin, on va aller acheter toute une nourriture. Donc comme je vous ai dit, les personnes de la rue, on a été les voir pour savoir un peu ce qu'ils voulaient. Donc ils voulaient quoi, du couscous, du pain demi, des sandwichs frais. Donc on va faire des sandwichs frais, comme ça ils ont pas un vieux sandwich, vous voyez les triangles là dégueulasses là. On va faire des sandwichs frais, des trucs bien, qui passent une bonne journée, qui rigolent bien avec nous. Voilà, c'est parti. On va se retrouver maintenant. C'était une longue intro, mais c'était voilà, c'est pas comme d'habitude. C'est pour la bonne cause. A tout de suite. Donc voilà, je vous mets un petit aperçu déjà de ce qu'on a acheté. Donc on a acheté des trucs pour les chiens et chats, parce que les SDF nous ont demandé d'acheter des trucs pour leurs chiens et pour leurs chats. Étant donné que ça coûte assez cher, on leur a pris pour 18 kilos à peu près. Et on a pris des petites boissons. Voilà, des trucs qui peuvent porter et tout. Pas des trucs chiants. Et voilà, là on va faire les autres trucs quoi. Prends quoi? Bon, bénévole, on prend quoi là? Il faut du pain de mie. Alien là. Alien motivé mec. Pain de mie. C'est là. Voilà, donc là on a déjà pris ça. Caprisson. Caméraman. J'ai rangé ça comme une maison. T'as vu ou quoi? On a même pas de place dans les caddies. Passe pas. Oh, il est blindé, il est là-bas. Il y a de l'eau. Et voilà. A tout à l'heure. Là les gars, salade. Pain. Et encore on voit pas beaucoup de choses, il y a plein de trucs cachés, regarde là. Regarde, montre là, tout ça là. Là, je peux montrer aussi, là il y a de l'eau, tout ce qui est lait, milk, chien. You know, avec la salade. Et les tomates, elles sont les tomates. Les tomates. Elles sont là les tomates. Le caméraman il est présent les gars. Là on a acheté les pâtes, spaghettis, tranquille. Parce qu'ils ont demandé aussi des spaghettis. Les conserves, elles sont les conserves. Ah c'est là. Haricots. Il y a des bananes, des bananes aussi, on a pris yaourt. Voilà, un peu ce qu'ils voulaient quoi. Après, il y avait des trucs un peu personnels, genre il y en a qui ont demandé du télémental. Et voilà quoi. Et il y avait quelqu'un qui a demandé des miel pops. Miel pops, bzz, bzz, bzz. Miel pops, c'est ça la musique, je crois. Et puis c'est quoi? Donc on va aller prendre des miel pops. Normal. Elle veut des miel pops, elle veut des miel pops. Et il y avait pas mal de trucs aussi, hein. Regardez. Confiture, ils ont demandé, on leur a mis. Enfin, ça c'est des trucs un peu personnels. On a pris pour tout le monde et après on a pris des trucs personnels. Voilà. Alors à des miel pops le matin, tranquillement. Donc on va où là? Là on va à la caisse moins de 10 articles. Le moins de 10 articles. La caisse et, non, viens, on va demander à la dame pour voir ce qu'elle veut. On va demander à la dame, ça passe ou pas si on prend ça? Attends, on va demander là-bas. T'as complètement craqué, viens. Ok, c'est moins de 10 articles là, ça passe? Ça passe là? Normalement on a moins de 10 articles. Normalement on a plus. On avait moins de certitude, c'est dommage. Ah, on travaille, vite, là, on travaille plus vite que ça là. Ah ouais, c'est... Ça fait plaisir en tout cas de faire des trucs comme ça. Ça fait plaisir. Et voilà, donc on met... Ah, on met ce qu'on dit donc. Un petit Caprisson, une compote, chips, douap, le petit gâteau là. Et voilà quoi. Ensuite, il y aura les fendites qui vont être faits dans la cuisine. Hop, ensuite là il y a les trucs pour chiens et chats et les sandwichs comme je dis qu'on va faire avec les tomates et etc. les pains de mie et voilà.
Ensuite, on va attaquer la distribution. Donc, comme ça, là, ça nous fait comment déjà... ça se passe là? Comment ça se passe, demoiselle? Et ben, on fait des sandwichs. Donc, c'est du pain, de la sauce, du blanc de poulet, tomate et salade. Si, si. Ouais, le caméraman, il est chaud. Hein. Ça se voit qu'il fait ça depuis qu'il est né. Il emballe bien. Hein. Ah ouais. Toi, ça se voit, kebab frites, ça y va. Hein. Batman, tu mets la sauce mayo. Batman, je te fais tout à l'heure, et là, il a envie de manger. Il se retient de manger. L'alien, il met les bananes. Donc là, voilà, tranquille. Tous les sachets. Il y en a plein, il y en a 50 à peu près. Et un sachet type, c'est ça. Il y a quoi dedans? En fait, il y en a plus, là, regarde. On est en train de vous montrer un sachet type, il y a quoi dedans? Une baguette. Une baguette. Une bouteille d'eau, une banane. Une banane, des pâtes. Un capri-sun, des gâteaux, des compotes, et deux autres gâteaux, des petits gâteaux, des douap, et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va distribuer. Donc là, on va remplir tout simplement tout le coffre, tout le coffre. Les sachets sont pas là. Là, je suis juste parti à l'extérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble un sachet. Et voilà, à tout de suite pour la distribution. Là, c'est bon. Là, c'est la distribution. Les sachets. Il y a des gâteaux. Il y a pas d'eau. Une bouteille d'eau. Il reste des pains de tomate, c'est bon. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et combien? Ce que vous voulez. Allez, deux. Merci. Tenez, madame. De monde. Dit-on. Deux haricots verts. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est bon. Et pour la personne aussi, je voudrais. Dit-on pour l'autre personne? Oui, merci beaucoup. C'est bien, il faut penser aux autres, madame. Hein. Et puis deux pommes pour la personne. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà. Allez, suivant. Bon courage. Il y a des haricots, dit-on. C'est le masque de V, c'est ça? Vendetta. Vendetta. Oui. Ouais. De l'eau. Il y a encore pas mal de sachets. On a déjà distribué à près de 15 de personnes. Et on continue, hein. On continue, c'est pas fini. C'est la donc là, les miel pop, ça, là, on l'a retrouvé. Voilà les miel pop, le lait on t'a donné, c'est bon. Merci. Ouais. Donc voilà, les gars, je viens de rentrer chez moi et je voulais faire cette petite outro. Donc déjà, vous avez vu, on n'a pas filmé toute la distribution parce que franchement, je voulais pas faire genre un truc en mode. Que vidéo, je voulais vraiment rencontrer les gens, voilà, leur parler avec eux, poser des questions, interagir avec eux, en fait passer un moment. Je voulais pas genre faire un mode vidéo, c'est pour ça que la distribution, je vous ai mis que quelques petites scènes, je vous ai pas mis toutes les scènes. Bon, on a réussi à en faire une cinquantaine de sachets, il me semble, ouais, une cinquantaine, et on a distribué. Donc les 50 sont partis, donc c'est pas mal. 50 sachets, et puis franchement ça m'a vraiment fait très 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 chaud au cœur de pouvoir faire ce projet qui me tient vraiment à cœur. Donc on remercie encore une fois la salle de nous avoir donné 250 € suite au défi. Comme je vous ai dit, j'ai rajouté aussi de l'argent en plus pour comme je vous dis, la vidéo Fortnite, 1 kill égale 10 €, et voilà, ça me fait vraiment plaisir. J'ai parlé avec lui, en plus c'est passé un truc pas trop bien, on va dire qu'un SDF qui a fait un malaise. Du coup, il y a les pompiers qui sont venus, tout ça, ça m'a vraiment fait de la peine. C'était une personne âgée et tout. Et franchement, ça m'a vraiment fait au cœur. Je sais pas, il est au cœur. Enfin voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a fait mal au cœur de les voir comme ça. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Mais voilà, après, j'ai parlé à pas mal de personnes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai mis que deux personnes quand j'ai distribué. J'ai pas mis les autres. Parce que j'avais pas envie, en fait, j'avais envie de faire ça en mode tranquille, parler aux gens, les rencontrer, leur parler,
discute avec faire un truc, poser pas un truc vidéo, c'est pour ça que je sais pas, voilà, je répète, mais voilà, c'est bien que ça rentre dans la tête. Et voilà, donc j'ai pu interagir avec eux, et puis c'est vrai qu'ils me disaient aussi qu'il y a des gens qui respectaient pas forcément, qui disaient pas bonjour, qui les prenaient un peu de haut et tout. Et je trouve ça dégueulasse, tout simplement, bébé. Voilà, eux, juste un bonjour, ça leur fait plaisir. Et même si vous leur donnez pas de l'argent, si vous avez pas les moyens de leur donner de l'argent ou des trucs à manger ou quoi, juste un bonjour, eux, ça leur fait plaisir. Ils m'ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est juste un bonjour. Voilà, ça nous fait plaisir. Et voilà. Voilà. Et donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai rencontré à peu près une personne. Ouais, franchement, bah, on a tout de suite, on a 50, donc à peu près. Ouais, c'est une cinquantaine de personnes qui étaient dans la rue de Nancy. On était partout, on a été. Bon, pour ceux qui connaissent un peu Nancy, on était près de la gare, ensuite on a été dans la rue Saint-Germain, on a été Place Stanislas, il y avait des effets, il y a la Place Stanislas. Rencontrer vraiment des personnes. Les personnes sont. Franchement, toutes les personnes que j'ai rencontrées, il n'y en a pas un seul. Ils étaient déjà très contents, heureux, parce que d'habitude l'association elle fait ça mercredi, ils font distribution pardon mercredi, donc nous on a fait ça vendredi. Et les gens étaient heureux, ils ont dit ah bah c'est vendredi, c'est pourquoi vous faites ça vendredi. Bon, on a dit que c'était exceptionnel et tout, qu'on a fait un don, voilà, on a parlé avec eux. Et voilà, c'était vraiment une belle expérience et je referai ça sûrement, je pense, sûrement pas filmé, je vais pas filmer ça. Mais voilà, eux ils m'ont proposé mercredi prochain, mais ça sera pas filmé, je vous mettrai un petit snap peut-être, un petit snap pour là, mais voilà. Moi je vais pas filmer, je vais vraiment faire ça de moi-même, de la part de la salle, de la part de la team, de Batlunch, et Cameraman aussi qui m'a aidé, Alien qui m'a aidé, et toute l'association. Et voilà, c'était sympathique en tout cas. Voilà, les gens sont très sympathiques, franchement, ils rigolent bien. Puis ce qui est bien aussi, ce qui m'a fait vraiment chaud au cœur aussi, c'est que ils sont très solidaires. Donc, franchement, entre eux, ils sont solidaires, c'est-à-dire que ils s'entraident. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a demandé une orange, il m'a dit bah, ça sera pour mon pote. Enfin, là, ils se donnent entre eux. Il y a même des gens qui refusaient des sachets et disaient non, c'est bon, donnez aux autres. Moi, j'ai déjà. Par exemple, il y en a un, je lui ai dit est-ce que tu veux du lait? Il m'a dit non, c'est bon, j'ai déjà du lait, donne à quelqu'un d'autre. Franchement, ils pensent aux autres. Ils pensent pas à eux, forcément. Tant que eux, ils ont déjà ce qu'il faut et que les autres, ils ont rien, bah, ils donnent aux autres. Et c'est ça qui est beau. Donc voilà, si jamais vous êtes de Nancy ou que ce soit dans une autre ville ou quoi, juste un petit bonjour. Ça leur fait plaisir. Juste un petit bonjour. Eux, ils ont dit un petit bonjour, ça nous fait plaisir. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder non plus. 50 ans, juste pour vous dire que c'était une belle expérience. J'ai vu des gens heureux, j'ai vu des gens avec le sourire, ils étaient contents qu'on les rencontre. Ça leur fait plaisir, on leur a donné un repas. Et voilà, ça m'a fait chaud au cœur, franchement. Tant qu'ils étaient heureux, pour moi, c'était le principal. Franchement. C'était magnifique, il n'y a rien à dire. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Et ça me fait plaisir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont envoyé des snaps parce que j'avais snap un peu. Ils me disaient, mais c'est bien ce que vous faites, etc. Voilà, on remercie la salle, on remercie l'association. Il y en a dans la description de l'association si jamais vous voulez les aider. Et voilà, eux ils font des distributions tous les mercredis. Voilà, enfin, nous c'était vendredi parce que c'était exceptionnel. Mais sinon, ils font tous les mercredis. Et voilà. Et c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur. En tout cas, voilà, merci à vous. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.